Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes. Je vous présente le premier cours que je vais faire les prochaines. C'est un cours qui s'appelle Gros plan sur les grands événements qui ont majeur l'humanité. Il est vrai que cette année, l'année dernière, le temps est un peu immobile. Donc là, je vais remonter le temps pour vous faire vivre des grands voyages, des grandes périodes. Par exemple, la préhistoire, une réflexion sur la préhistoire. On découvre pas mal de choses en ce moment. Sur les grandes invasions, ces fameuses grandes invasions du 4e, 5e siècle qui ont mis fin à l'Empire romain, mais aussi un thème qui ici, à la Facato, comme on dit, à l'Univa, peut nous faire réfléchir sur la construction des cathédrales au début disons, entre le 11e et le 14e siècle. C'est un phénomène social, architectural et, je dirais, tout à fait exceptionnel. Et puis, le quatrième thème, ce sera les grandes découvertes. Pourquoi les grandes découvertes? Parce que les grandes découvertes, ça ouvre le monde dans lequel nous étions un peu enfermés, celui de l'Europe médiévale, vers les grands espaces, c'est-à-dire vers une vision mondiale de la planète. Et ça nous ouvre aussi sur des thèmes que nous connaissons tous et qui sont au cœur de pas mal de débats, comme la colonisation. Le cinquième thème, ça sera un thème qui m'est cher, puisque aujourd'hui on dit où sont-elles passées les fameuses lumières, ces lumières du XVIIIe siècle qui ont fondé cette société qui amène la réflexion sur la Révolution. Et puis je terminerai par un sixième thème qui est aussi un thème modificateur fondamental de nos sociétés, c'est-à-dire des sociétés agricoles, on va passer à des sociétés industrielles, de la campagne aux usines. Ça s'appelle la révolution industrielle. Et ça concerne essentiellement le 19e siècle et toutes ses implications au 20e siècle. Voilà, c'est ce premier thème. J'espère vous y voir nombreux, en présentiel si possible. Si c'est encore en visio, on fera avec. Merci.